sujet pas. Moi, je ne mangerai pas, maman, mais ce bien qui est de tout, qui est des alternatives. Ah, d'accord, ok, super, on va aller loin. Macron, subventionne les alternatives végétatives. Le miel, ça reste du vomi d'abeille. C'est ouf. Ouais. C'est comme si toi, tu mangeais des ovules. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager un message de prévention. Sur ma chaîne, absolument tout le monde est le bienvenu. Je réalise des interviews d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Il s'agit donc de témoignages, bruts et authentiques, du vécu d'une personne à un instant T avec son alimentation. Il se peut donc que certains propos soient déclencheurs pour vous. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Papa tes popotes. On se retrouve aujourd'hui pour tester un resto qui m'a l'air vraiment incroyable. Je remercie infiniment mon invitée de me le faire découvrir. Elle va pas tarder à arriver, elle s'appelle Manon. On va tout de suite la rejoindre pour qu'elle se présente. Alors me voici devant le café Contresort avec Manon. Bonjour Manon. Hello. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va super bien. Merci du coup de me faire découvrir cette adresse. Franchement, avec je ne connaissais pas et ça a l'air top. Oui, bah écoute, ça sera une découverte pour moi aussi. C'est vrai que j'en ai entendu pas mal parler sur les réseaux sociaux et le concept est sympa. J'espère qu'on va pas se transformer en grenouille ou je sais pas trop quoi. Écoute, on va croiser les doigts. Ouais, a priori, c'est bienveillant. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, alors du coup, donc moi c'est Manon, je suis un peu connue sous le pseudo @végétale sur Instagram. Et donc du coup, je suis végane et je partage essentiellement des bons plans, des adresses végétaliennes, mais pas que. Et tu veux nous dire ce que tu fais sinon en dehors des réseaux? Oui, ça me dérange pas, je vais rester assez vague pas donner trop d'infos. Comme tu le sens, comme tu mais je travaille dans le domaine de la recherche clinique, voilà. D'accord, ok. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Merci. Du coup, tu as des petites paillettes alimentaires pour réfléchir ta vie. Et si tu as des pétales de pensée. Merci beaucoup. Merci. Donc, il faut ouvrir. Ouais. Ah oui. Ça fait vraiment potion magique. Ce qu'on ne voit pas sur la vidéo, c'est que ça a une odeur incroyable. Ça sent l'encens. Ouais, ça sent l'encens, exactement. Et du coup, on a vraiment l'impression qu'on va avoir un truc magique. Bah, chin, hein. Chin. Oui. Alors, je vais goûter. Ça fait banane et après, il y a un goût derrière incroyable. Il y avait fève tonka, je crois. Ouais. Ça, c'est super bon. Jus de pomme, thé citron menthe, sirop matcha, eau pétillante. Ça sent encore l'encens. Ouais. Ah, j'adore. La petite note. Il y a un petit truc derrière. Floral. Je pense qu'il faut vraiment vivre l'expérience. Si vous venez, il faut forcément prendre une boisson. Ouais. Ne partez pas sans prendre une boisson. Non. Et boisson. Pas un café. Alors Manon, une question que j'aime bien poser, c'est tu te définirais être une mangeuse comment? Avec un adjectif qualificatif. Je dirais mangeuse curieuse. C'est vrai que depuis que j'ai transitionné vers le monde du végétal, je suis beaucoup plus ouverte à des saveurs que je connaissais pas, des plats, des associations. Et je trouve que c'est beaucoup plus créatif et je tente beaucoup plus de choses. Je sors vraiment du cadre de ce que je me fais moi à la maison. Et du coup, quand tu te fais à manger ou tu vas manger, à quoi tu fais attention? À quoi tu prêtes attention en priorité? La gourmandise. Pour moi, il faut vraiment que ça soit un moment de plaisir. Il faut qu'il y ait du goût, évidemment, sinon on s'ennuie. Mais il faut vraiment que je prenne mon pied. Même chez moi. Même quand tu dis un truc pour toi toute seule. Pour moi, toute seule, je suis un peu moins exigeante. C'est vraiment un moment cocooning. Déjà, comme tu es végane, c'est peut-être le premier point que tu regardes. Est-ce que c'est végane ou pas? Oui, c'est ça. Ça t'arrive de manger pas végane ou pas? Non. Je suis vraiment végane strict. Végane, c'est le mode de vie. En général. Après, ce qui est lié à l'alimentation, c'est végétalien. Donc, j'ai commencé par là, par l'alimentation, puis après, ça s'est étendu à mon mode de vie. Oh, pardon. Alors, c'est pour ici. Merci. C'est bon. Merci. C'est
c'est bon. Ah ouais. Je suis fan. Ça me fait penser à un truc. Peut-être des pommes noisettes, mais avec un goût en plus. Il y a un goût un peu terreux. Ouais. Un peu le même goût que tu retrouves dans la betterave. Mmh. Avec la sauce. Mmh. Il y a de la truffe là-dedans. Mmh. C'est bon. T'aimes bien la truffe ? Ça dépend. Faut que ça soit bien dosé. Quand c'est trop truffe, c'est écœurant. Bon, après, il y a le débat autour de est-ce que la truffe, c'est vegan ou pas. Ah bon ? Et c'est des chiens truffiers qui cherchent, en fait. Ah, ils sont exploités, en fait. Ouais, qui sont entraînés pour trouver, en fait, et déterrer les truffes. Et du coup, c'est de l'exploitation animale. Vegan, c'est vraiment le mode de vie. Ça va s'étendre, en fait, à tout ce qu'il y a dans ton quotidien. Les textiles, tout ce qui est cuir, laine, la soie, le cachemire. Ça va s'étendre au miel aussi. Le miel, en fait, j'ai longtemps eu du mal à comprendre pourquoi c'était pas vegan. En fait, c'est pas tellement les abeilles qui sont exploitées, c'est la reine mère. Il y avait des ruches qui produisaient du miel et qu'on faisait ça juste pour conserver l'espèce. En soi, il n'y a pas de problème. Mais le fait qu'on récolte le miel et qu'on s'en serve pour faire de l'argent, c'est lié du coup à l'exploitation animale. Ceux qui sont végétariens n'ont pas beaucoup la distinction entre l'animal qui est mort dans l'assiette, donc la viande, le poisson, et le lait, les œufs, le beurre, qui paraissent beaucoup plus inoffensifs. Il y a plus de souffrance dans un verre de lait que dans un steak. Et ça, tu le penses même pour les exploitations familiales. Si, par exemple, toi, tu avais ta ferme avec tes animaux et que tu produisais tes œufs, ton beurre, etc. Donc, tu voyais comment étaient traités les animaux puisque c'est les tiens. Est-ce que, du coup, là, tu accepterais de consommer des œufs et du lait et du machin ou pas? Pour le lait et le beurre, j'estime que c'est délicat parce que pour l'obtenir, il faut une action. Ouais. Tu vois, il faut traire le lait. Et à partir du lait, tu fais le beurre. Ouais. Donc ça reste une forme d'exploitation. Pour les œufs, c'est légèrement différent parce que la poule, que tu sois là ou pas, elle pond toute seule. Et donc il y a un débat, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus souples. Par contre, ce qui n'est pas très connu, c'est que les poules mangent leurs propres œufs. Ah ouais ? Si vraiment tu es cohérent dans tes convictions, tu ne veux pas manger l'œuf de la poule, tu peux l'émietter, lui donner à manger, elle le mangera. C'est comme si toi tu mangeais tes ovules. C'est exactement ça. Des fois ça peut faire un petit choc de se dire ah ouais, en fait un œuf c'est un œuf, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pareil pour le miel. Le miel ça reste du vomi d'abeille. Oui. Tu vois. Après, au-delà du fait que le miel ça soit une très très mauvaise source de sucre, ça peut être naturel, c'est pas une source de sucre qui est bonne pour la santé. Je sais que j'ai déjà vu des nutritionnistes et des diététiciens recommander ça en disant que c'était super bien, enfin, que c'était mieux parce que t'avais des nutriments en plus. Quand je vais dans une adresse végane, souvent je suis plus waouh, bluffée, en mode ils sont sortis des sentiers battus. Ouais. C'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude justement de ce type de cuisine et que du coup, même quand il n'y a pas de simili carné, hein, tu vois, là j'ai pas de simili carné. Non, dans ton assiette t'en as pas. On le disait un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que la gastronomie française est très viande, des classiques comme la blanquette, le bourguignon, etc., qui se refont très bien en végétal. Mais disons que quand tu deviens végane, tu vas pas forcément chercher, ça dépend, mais à reproduire ça. Du coup, du moment que t'enlèves les classiques, bah en fait, t'as un champ des possibles qui est incroyable. Bah, autant tester, en fait. Et là, tu vois, une tartine avec une crème de maïs, un simili poulet à la nette. En soi, ça a rien de fou, mais faut penser à l'association. Il y a des petits pickles, il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Moi, là où c'est le plus convaincant et là où j'estime que c'est la plus grande victoire pour le végétal, c'est de manger quelque chose sans viande et que quelqu'un qui n'est pas vegan mange le plat et se dit bah, j'ai pris du plaisir et j'ai pas cherché à avoir la viande. Ouais. Et du coup, pour revenir à ton histoire personnelle, donc toi tu es devenue vegan en 2017 avec une phase de transition d'un an où tu as fait un peu un mix. C'est ça. T'étais plus végétarienne peut-être au départ. Alors non, même pas, j'étais omnivore classique et puis le déclic s'est fait où en fait mon grand-père, plus que ma grand-mère, mais s'est mis à développer des maladies qui malheureusement sont très communes à cet âge-là, tout ce qui est diabète, cholestérol. Et je me suis dit, quand même, il prend beaucoup de cachet le midi et le soir en même temps qu'il mange. J'ai poussé la réflexion en me disant, bon, c'est quand même assez connu que la viande rouge, c'est pas bon pour la santé consommée régulièrement. Moi, je vais plus loin dans le sens où c'est pas bon du tout pour la santé, mais ma réflexion a commencé à régulièrement, c'est pas bon. Et après, j'ai poussé plus loin. Je me suis dit, mais la viande blanche, et puis le poisson, et puis les produits laits, en fait, ça fait boule de neige quand tu commence à te renseigner. Et donc j'ai commencé par arrêter toute la viande et j'ai pas voulu transitionner trop brutalement parce que je voulais quand même manger équilibré. C'était important, le cliché existe
toujours des carences, malheureusement. Bah ouais. On en souffre toujours. Le fait est que quand on est soit omnis, soit vegan, on a le même problème. Si tu manges pas équilibré, tu vas avoir des carences. Et à tort, on pense qu'en étant vegan, on en a plus que les autres. C'est pas vrai. Il faut juste savoir comment équilibrer son assiette. Oui, ça demande une grande attention. Ça demande une attention et en fait, ça demande à oublier tout ce que tu as toujours appris en nutrition. Ah ben, parce qu'on t'a appris bêtement à l'école, il faut une viande, un poisson. Légumes, féculents, ça c'est facile, ça se garde en vegan. Et un produit laitier, en dessert, ou au goûter. Globalement, quand tu passes vegan, tu te dis... je retire 50% de ce que j'ai toujours consommé. Ouais. Donc la phase est un peu abrupte. Donc il faut en fait casser ce schéma et revoir en termes de nutriments, de macronutriments, de micronutriments, qu'est-ce que j'ai besoin. C'est pas de la viande ou du poisson que tu as besoin, c'est des protéines. Les protéines, quelles sont les protéines dans le règne végétal? Donc tu te renseignes, il y a tout ce qui est légumineuses, qui sont très faciles à trouver, pois chiches, haricots, lentilles. Après, il y a tout ce qui est dérivé du soja, le tofu, le tempeh, le seitan maintenant. Qui est beaucoup plus en vogue. Après, tu avais la chance d'habiter à Paris pour te procurer tout ça, parce que je pense que dans les petites cambrousses, trouver du tempeh et tout ça, ça doit être pas évident. Dans une transition aussi personnelle, j'estime que c'est important de faire un peu ce qu'on fait, à savoir aller au resto et goûter ce qui se fait. Donc c'est vrai que s'éduquer sur ce qui se fait ailleurs, c'est quand même super important pour refaire en fait son équilibre dans l'assiette. Et du moment où j'étais bien renseignée, j'ai sauté le pas et je suis plus jamais revenue en arrière. Et ta famille, elle en a pensé quoi alors quand elle t'a vu transitionner? T'as eu des réflexions des... Ouais, pour faire le rapprochement du coup toujours avec mes grands-parents, ça a été source de conflit. Hein. Je vais pas cacher que je me suis éloignée de mes grands-parents à cause de ça, parce que j'estime que du moment qu'on respecte pas mes convictions, c'est compliqué d'avancer avec ces personnes-là. Que ces personnes-là soient de ma famille ou pas, si on ne me respecte pas, je vais mettre des distances. Après, côté en dessous, la génération d'en dessous, côté des parents, c'est beaucoup mieux passé. Moi, du moment que je suis en bonne santé et que je suis heureuse, ça leur va. Et tu fais Noël, j'imagine, dans ta famille? Ouais. Du coup, c'est pas trop difficile de faire les fêtes? Ça tombe beaucoup autour des produits animaux. Alors, il y a un Noël, il y a 2 ans, je l'ai fêté que famille super proche, à savoir les parents et les amis de la famille. Et c'est moi qui avais fait à manger. J'ai pas révolutionné le monde, hein. J'ai fait des feuilletés, j'ai fait un hachis parmentier, donc on va dire avec des codes avec lesquels ils ont confiance, ils sont à l'aise. Je leur ai pas servi du tofu, tu vois. Ouais, ouais. J'ai choisi ce que j'allais faire, j'ai été soft, mais ça a quand même eu son petit effet. Et pour le dessert, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris du Picard, parce que Picard, vraiment, c'est la vie. Et en période de Noël, ils font plusieurs propositions de bûches végétales, et ça a eu un franc succès. Et les autres années, quand c'est papa qui cuisine, t'arrives quand même à fêter Noël? Là, le Noël dernier, je me suis fait en fait mon repas à part, et je mange à table avec eux, et puis ça se passe bien. J'ai quand même fait découvrir des restos vegan à ma famille, et ça leur fait plaisir de venir avec moi dans les restos vegan de Nice pour manger. C'est super bon, donc ça lève un petit peu les clichés, et puis tant que je passe un bon moment, que ça soit vegan ou pas, je m'en fiche en fait. Les clichés, les restos vegan, moi j'ai jamais... C'est gentil. Jamais été déçue. Après, je suis à Paris, je ne sais pas comment ça peut être dans une petite ville de province, je ne sais même pas s'il y en a des restos vegan, mais... Alors, on a de plus en plus de chance, dans le sens où c'est vrai que ça devient répandu. Il y en a qui essayent de faire des efforts, mais ça va se restreindre à un avocado toast ou une salade de quinoa. C'est pas très fun, mais quand même, il faut saluer les initiatives et ça existe. Et à ton travail, c'est bien accueilli ou pas? Mes collègues proches avec qui je déjeune quasiment tous les midis le savent. On a une cantine cafétéria. Bon, j'avoue que c'est pas là où je prends à manger. Il y a très peu d'options et puis bon, ça revient vite cher quand même d'acheter à manger tous les jours. Donc la plupart du temps, je me fais à manger moi-même. Ou sinon, quand même assez régulièrement, une fois par semaine à peu près, on va au resto pour la pause déjeuner. Ça tourne autour du japonais. Du coup, chacun mange ce qu'il veut. Restaurant italien, c'est pareil, c'est assez facile pour moi. Japonais, c'est dur, non? Ça tourne vite autour des makis, avocats, concombres. Ah oui, tu vois. Les gyoza peut-être. Les gyoza, quand t'as de la chance qu'il y en ait aux légumes, mais souvent c'est au poulet. Ça tourne quand même assez vite autour des mêmes choses, mais bon, une fois par semaine, c'est pas grave. Et puis tout ce qui est restaurant italien, ça va être pâte à l'arrabbiata, pizza végétarienne que tu demandes sans fromage. Et tes collègues, ils en pensent quoi du régime végan? Du coup, je les éduque un petit peu parce qu'ils voient ce que je mange, ils posent des questions, des fois je leur fais goûter. Les retours que j'ai eus, c'était que c'était très bon, donc en fait, c'était une bonne surprise. Moi, je fais partie de la team qui convainc par la nourriture. Si tu manges quelque chose qui est vegan et que tu dis « waouh, c'est bon », c'est la moitié du boulot, elle est faite.
Après, c'est sûr que ça fasse partie de ton quotidien. Et tous les repas, là, c'est une autre étape. Oui, mais chaque pas est important. Bon, déjà, il y a le Veganuary en janvier, qui est pour moi un mois où vraiment c'est important, propage, on va dire, l'alimentation végétale pour faire comprendre aux restaurateurs et aux grandes chaînes aussi de restauration que voilà, il y a une demande. Après, moi, je me dis, si déjà à quelques repas, les gens se disent, bon, bah là, je vais pas manger de viande, moi, je trouve ça déjà super bien. Je ne vais pas forcément convaincre les gens pour qu'ils deviennent vegan du jour au lendemain à tous les repas. Ça serait super. Mais t'as pas pensé à être végétarienne au départ ? Non. Tout de suite, t'as voulu être dans le vegan. Ouais. Quand tu te rends compte, bon, déjà il y a l'aspect santé, on en a discuté tout à l'heure, mais moi ça a été mon... C'est ta motivation voilà, principale. Voilà, moi ça a été mon axe d'entrée. Après, il y a d'autres enjeux. Il y a évidemment l'accès écologique qui est quand même pas rien quand tu sais que l'élevage, malheureusement en majorité intensif de nos jours, c'est quand même beaucoup plus émetteur de gaz à effet de serre que les avions. Puis il y a après tout ce qui est exploitation animale, éthique. Quand on aime les animaux, dans un souci de cohérence, on n'a pas trop envie de les manger. Juste la motivation santé, bah, tu pourrais être végétarien ou flexitarien. Ça serait en fait suffisant. Ça serait déjà vachement bien. Mais ça serait suffisant pour ta santé. Parce que la viande, en même temps, ça apporte beaucoup de bons nutriments. Enfin, c'est sûr, c'est que l'excès, en fait. C'est parce que je viens d'une tradition où les gens mangent de la viande peut-être en excès. Mais je pense que pour la santé, flexitarien, végétarien, c'est top. Mais c'est sûr qu'après, si tu penses à l'environnement, à l'exploitation animale, là, c'est ça qui te motive à passer le pas. Après, ça dépend des sensibilités de chacun. Moi, je fais partie de ces personnes qui souffrent du côlon irritable. Et c'est vrai que fibres plus inflammation, c'est délicat. Quand je me fais à manger moi-même, je portionne 70 grammes et j'ai aucun problème. Mais du coup, au niveau des carences et tout ça, comment tu as fait pour... tu prends de la B12 aussi ou pas ? Indispensable la B12. Quand on passe vegan, ou même quand on diminue sa consommation de viande, il faut se supplémenter en B12. Pourquoi ? La B12, elle n'est pas naturellement présente dans la viande. La B12, elle est présente dans l'alimentation qu'on donne aux bovins. Et donc, en fait, quand on mange de la viande, on prend de la B12 par procuration. Donc, il faut se supplémenter. La B12, c'est hyper important parce que si tu n'en prends pas, risque de fatigue extrême. Anémie. C'est une carence qui provoque des problèmes, mais à long terme. Donc, c'est important de prendre la B12. Après, maintenant, il y a des compléments qui sont très chargés. Et du coup, tu prends un comprimé tous les 15 jours. Ça coûte une dizaine d'euros le pot. Ça te dure plus d'un an. Les autres carences qui sont évidemment... Il y a le fer. Le fer pour les femmes et les personnes menstruées en général. Moi, on va dire que j'ai la malchance d'avoir déjà été carencée en fer avant d'être végane. Ah ouais. Parce qu'en fait, la carence en fer, c'est métabolique. Ça n'a pas d'alimentation prédéfinie. Ça touche tout le monde. Ouais. Et moi, j'étais déjà basse en fer, donc forcément, avec mon véganisme, il fallait que je sois un peu plus vigilante. Mais encore une fois, en se renseignant, il y a des très bonnes sources de fer végétal. Il faut juste savoir les... Et tu te complémentes avec des compléments ou tu fais juste naturellement dans l'alimentation ? Non, pendant ma période de règles, je supplémente pour être sûre d'être au-dessus de la limite. Et il y a d'autres choses que tu recommanderais pour les gens qui veulent être véganes ? Faire des prises de sang au début, très régulièrement. Essayer de vous faire suivre par un médecin qui n'est pas fermé à l'alimentation végétale, parce que ça va être très compliqué en fait de s'imposer quelque part et vous allez être vite découragé. Alors que l'alimentation végétale, c'est sans risque du moment qu'on sait quoi manger en fait, qu'on mange équilibré. Mais tu ne penses pas que c'est sans risque, mais qu'il y a quand même des personnes qui ne peuvent pas, tu vois ? Il y a toujours des personnes qui ne peuvent pas. Bon, il y a l'aspect santé mentale, ça on est d'accord, enfin voilà, ce sont des comportements alimentaires. Voilà, je pense que déjà ça peut pas convenir. Mais même sans l'aspect santé mentale, ce qui est juste de la santé physique, c'est peut-être des gens qui sont un peu plus fragiles que d'autres. Et, Ça convient pas à tout le monde, oui. Parce que malheureusement, il y a des pathologies qui font que c'est pas possible de manger tel ou tel aliment en telle quantité. Je connais des personnes qui sont allergiques aussi au soja. Vegan, c'est pas impossible, hein, même dans ces conditions-là. Mais encore une fois, ça rajoute une charge mentale pour se préparer des plats. Ça réduit beaucoup le champ des possibles et ça peut être un poids. Quand tu auras des enfants sur ton âge, je ne sais pas si tu en souhaites. Mais peut-être. Est-ce que ils seront vegan ? Ouais. Et il y a un paramètre important. Il faut que le père soit vegan. Voilà.
pas qu'ils soient vegan, mais qu'ils soient d'accord. Oui. Ça, c'est un autre sujet. Et tu pourrais être en couple avec quelqu'un qui n'est pas vegan. Oui, parce que c'est le cas actuellement et ça a quasiment... Ouais, c'est même pas quasiment, ça a toujours été le cas. Là-dessus, il n'y a pas de règle. Il y a des personnes véganes qui se voient pas en couple avec quelqu'un d'omnivore et il y a des personnes que ça dérange pas. Moi, j'estime que c'est pas un critère. Ça dépend pas que de ça. Le feeling, l'affinité, les sentiments, moi ça dépend pas que de certaines convictions. Après tu vois, moi le véganisme, je le rapproche beaucoup d'opinion politique pour moi, tu vois. Et du coup je me dis, est-ce que tu pourrais être en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ton parti politique? Moi je dis oui, mais faut quand même pas que ce soit dans les extrêmes. Ouais. C'est-à-dire faut pas que, je sais pas toi, tu votes... extrême droite, et l'autre tu vas être extrême gauche. Oui, bien sûr. Mais il faut quand même qu'il soit tolérant. C'est ça. Qui s'intéresse à ce que tu fais, qui montre de l'intérêt, qui ne soit pas en train toujours de critiquer, t'as vu tes graines. Non. Pour moi, la clé, c'est exactement ça, c'est la tolérance. Voilà. Si on ne te respecte pas dans ton assiette, ça ne peut pas marcher. Surtout que l'alimentation, c'est quand même vachement... c'est lié aux émotions. Enfin, c'est hyper puissant, les moments de convivialité qu'on partage lorsqu'on mange. C'est en plus, dans les traditions françaises, voilà, c'est un moment où on se rassemble, où on passe un bon moment. Donc si on n'est pas d'accord avec ce que chacun mange, c'est même pas la peine. Mais pour revenir au sujet des enfants, c'est vrai qu'en France, c'est pas très bien enrichi niveau bibliographie, niveau littérature, mais tout ce qui est Amérique du Nord, Canada, tout ça, ils ont fait plein d'études et l'alimentation végétalienne, elle est sûre, sans risque, à tout âge, du nouveau-né jusqu'à la personne âgée, du moment qu'elle est bien menée. À titre personnel, si jamais j'ai des enfants, je me suis pas trop renseignée si j'allais allaiter ou pas, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, le bébé sera vegan. Après, quand il sera en âge de décider par soi-même et qu'il voudra manger un steak dehors, même qu'il voudra me dire « Écoute, maman, je veux manger de tout », très bien. Mais moi, je l'aurai éduqué, il aura toutes les cartes en main, il fera ses propres choix. Moi, j'estime que quand on a toutes les clés, on est maître de ses choix, évidemment, donc chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on ne sait pas, on ne critique pas ou on n'émet pas de jugement hâtif. C'est ça qui me dérange en fait dans la guerre contre les véganes, c'est qu'il y a beaucoup de dissonances cognitives et les gens ne se rendent pas compte. Parce qu'ils sont très attachés à leur steak, tu vois. C'est presque religieux. Et ça me dérange parce que quand on est ignorant, c'est pas péjoratif, c'est juste quand on ne sait pas. Mais tu crois pas que c'est une part de jalousie et d'envie, enfin, de se dire que vous arrivez à vous priver alors qu'eux n'y arrivent pas? Pour moi, c'est pas une privation. Ouais, c'est là toute la différence. Mais, voilà, mais eux, ils le voient comme voilà. Une privation. Et c'est pour ça que si on part là-dessus, privation. C'est négatif, c'est péjoratif, donc ça peut pas bien se passer, tu peux pas être content si tu vois ça autrement, comme justement quelque chose de bienveillant pour aider la planète, les animaux, peu importe ce que tu choisis de mettre en haut, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais toi du coup ça t'arrive jamais d'avoir envie de fromage, de viande, de poisson, d'œuf, d'œuf brouillé, de je ne sais pas, ça te manque pas? Au début le poisson me manque. Parce que j'étais très très fan de poisson. Maintenant, ça va faire, allez, 5-6 ans que je suis végane, je mange tellement autre chose et c'est tellement plus dans mes réflexes que j'y pense plus. Là où t'es amené à flancher, entre guillemets, si c'est encore un peu tôt, ou si tu côtoies beaucoup de personnes voilà, qui mangent ça devant toi. Moi, franchement, j'aurais du mal, c'est avec le fromage, quoi. Genre la raclette, c'est... T'es invité à une raclette, mais tu fais comment? T'es invité à une raclette, tu peux manger que les pommes de terre. Alors le fromage c'est très intéressant parce que justement il y a un côté addictif dans le fromage avec je crois que c'est la caséine qui rend le fromage addictif et les personnes qui aiment beaucoup le fromage ont du mal à passer de végétarien à végétalien. Moi j'y crois pas aux addictions à la nourriture, que ce soit le fromage, le sucre, tout ça j'y crois pas. Je pense qu'on a tous des préférences alimentaires et ça je pense qu'on n'est pas tous égaux. Non complètement. Je pense qu'il y en a, ils sont plus bec salé, d'autres bec sucré. Ouais. Mais l'addiction, franchement l'addiction c'est un peu un mot beaucoup trop fort. Je parle pas pour moi parce que moi le fromage... Je suis pas addict au fromage, j'ai une préférence, j'aime beaucoup le fromage fondu, mais bon... Et tu pourrais t'en passer. Bah je sais pas en fait. Tu vois, pour moi l'addiction c'est ça. Si j'habitais en Asie, je pense que je pourrais m'en passer parce que j'aurais pas l'appel du truc. Ouais. Mais par contre tu viens en France, t'es invité à une raclette et là on te dit tu peux pas la manger. C'est pas de l'addiction, c'est de la torture. C'est qu'on te le met sous les yeux et on te dit ah non, t'y as pas droit. Ah non. Alors que si on te le propose
repose pas, ton cerveau va pas te le présenter dans la tête. Donc c'est pas l'addiction. Pour moi, l'addiction, c'est avoir envie du produit quand le produit n'est même pas là. Tu l'as pas devant les yeux et tu es là et tu vas te lever la nuit, tu vas faire 10 magasins pour te faire une raclette dans ton salon. Et s'il y a des gens qui font ça, même si vous faites ça, je ne vous pense pas addict. Mais moi, je m'estime très, très privilégiée, très favorisée. Voilà, du parce fait que t'es pas dans la privation. De mes goûts de base, en fait, qui fait que le fromage, j'aimais pas ça. Même les mentales râpées sur un gratin, je l'enlevais. Moi, je viens du sud de la France, donc on cuisine pas au beurre. C'est huile d'olive, donc pour moi, le beurre, ça ne faisait même pas partie des choses qu'on achetait à la maison. Il y a des personnes qui prennent le chemin par les vidéos des abattoirs, la cruauté des animaux, tu vois. C'est cruel, ça, ouais, peuvent adorer McDo. On va prendre l'exemple le plus parlant. Vous voir des vidéos d'abattoir du jour au lendemain. Ça arrête. Des fois, je vois ces vidéos L214 et ça me fait un électrochoc. Je suis oh là là, c'est horrible, je peux pas, etc. Et après, je me dis, bon, je vais devenir vegan. Et puis après, je me dis, oui, toi, tu vas devenir vegan dans ton coin. Mais au final, est-ce que ça va changer la face du monde si une personne de plus devient végane ? Non, en fait. Non, mais à ton échelle personnelle, oui, tu auras évité la mort de millions d'animaux. Ouais, mais je trouve que c'est difficile de s'en rendre compte et que du coup, pour moi, si je vivais le véganisme, je le vivrais dans la privation, en partie pour les raclettes parties, le fromage et les chocolats chauds. Ça existe maintenant en version végane. Ah bah faudrait que je goûte, j'aimerais beaucoup goûter. Tu me diras où je peux en acheter. Ouais. Parce que j'ai testé le faux gras et tout. Ouais. J'ai bien aimé, mais après j'ai trouvé que c'était pas... Ouais, c'est comme la chantilly, tu vois. La chantilly, le faux gras, c'est des trucs qui sont bons. Je trouve qu'il te manque un truc. Le bacon de la vie, j'avais beaucoup aimé. Incroyable. Et moi, des fois, je suis assez bizarre parce que, genre, le faux poulet, les faux steaks, je préfère ça que les versions viande. Ah, mais c'est déjà bien. Mais oui. Alors, du coup, là, je le vis pas du tout dans la privation. Si tu veux, des fois, il y a des options Pokéball avec viande végétale. Moi, je prends ça au lieu de prendre le truc avec le vrai poulet. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Mais pas par privation. Parce que je préfère au goût. Parce que, toi, du coup, la privation n'intervient plus du moment que t'as une alternative qui te satisfait. Que je préfère. Donc si la raclette vegan, il faut que ça soit au-dessus, impérativement. Au-dessus. Ou au même niveau. Ou au même niveau, ok. Moi, honnêtement, j'aimerais beaucoup être vegan, mais je pourrais pas parce que j'ai un passé de TCA. Que du coup, pour le fromage et certains trucs, je vivrais dans la privation. Et après, je me dis, les problèmes des animaux qui sont maltraités, moi, et de l'environnement, parce que moi, c'est les deux causes qui m'ont vraiment bougé, c'est que pour moi, ça remet ces combats, c'est des combats pour moi, à l'échelon individuel. Oui. Alors qu'en fait, on pourrait améliorer le bien-être animal, on pourrait améliorer l'environnement s'il y avait des changements de politique et des législations qui font que... On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas assez de pouvoir et de force de frappe pour que ça avance assez vite et assez bien pour changer le monde. Là-dessus, on est d'accord. Au niveau du gouvernement, on aura toujours du mal parce qu'il y a... Quand tu seras de droite. Voilà. Et puis, il y a les lobbies qui ont un poids monstrueux. Malheureusement, si on n'a pas cette option-là, il faut se battre tout seul et se dire que petit à petit, en étant de plus en plus nombreux, c'est là qu'on aura du poids. Macron, subventionne les alternatives végétales, s'il te plaît. Et fait de la réglementation dans les abattoirs aussi. Ouais, parce que là, il est allé au salon de l'agriculture et vraiment, il était là. Les alternatives végétales, moi, j'en mangerai pas, hein, mais c'est bien qu'il y ait de tout, qu'il y ait des alternatives. Ah, d'accord, ok, super, on va aller loin. Bon, les simili carnés, j'en mange pas à tous les repas. Hein. Ça reste un aliment industriel, donc même s'il est fait, le plus clean possible, ce qui est quand même la majorité des simili carnés qu'on trouve. Hein. Et puis c'est surtout que c'est super cher. La viande est chère, c'est pas pour remplacer. Ouais, pour être vegan, c'est vraiment... Je pense que ça coûte plus cher que d'être omnivore. Ça coûte moins cher. Ça dépend ce que tu manges. Moi, j'ai vu la différence, c'est hallucinant. Ce qui coûte le plus cher dans un panier normal, c'est tout ce qui va être viande, poisson, certains produits laitiers, type fromage affiné, quand ils sont de fromagerie, etc. Ouais. Si t'aimes vraiment ça, tu mets plus facilement du budget là-dedans. Suite à ton changement en régime vegan, est-ce que du coup, t'as constaté une perte de poids ou pas ? Oui, mais très légère. J'avais perdu quand même l'essentiel de mon poids en trop, avec une activité, on va dire, salariée qui était prenante. J'étais dans la vente, et du coup, j'étais debout toute la journée. Ouais. J'avais déjà perdu pas mal de poids grâce ou à cause de ça. Et en devenant végane, c'est vrai que j'ai perdu encore... Mais sans le vouloir, en fait. C'était sans le vouloir, parce que j'ai pas cherché à perdre du poids. Tu aimes le sésame et le matcha ? J'adore. Parfait.
quand même mention spéciale pour la petite cuillère en forme de tête de mort. Et le chocolat chaud. Dans la petite citrouille. C'est super bon. Ça sent bien la cacahuète. Moi, j'ai pris chocolat chaud, pâte de cacahuète. Donc oui, j'ai perdu du poids plus par l'activité physique que j'avais à ce moment-là. Et puis le fait de transitionner et de devenir végane, ça m'a fait me stabiliser. Je mange plutôt bien en règle générale. Je fais attention à ce que je mange sans être dans les excès, sans contrôler ce que je mange. Parce que j'aime bien manger autant des plats sains que des plats beaucoup moins. Mais du coup, qu'est-ce que t'appelles faire attention si tu contrôles pas? Au moins, pour moi, faire attention, c'est manger équilibré. La plupart du temps, au moins une source de protéines, féculents et des légumes, des fibres. Voilà. Et la quantité, en fait, c'est... Et la quantité, je ne force pas. J'aime pas manger et me gaver. Donc, c'est jusqu'à ce que j'ai plus faim et je vais pas au-delà. Du coup, le fait de t'imposer quand même un cadre avec protéines, féculents, légumes, etc., ça, tu le vis bien, en fait. Oui. Après, je mange pas équilibré à tous les repas. Il y a des soirs où je vais avoir envie de pâte au pesto. Ouais, donc t'auras pas de légumes ni de protéines. Mais c'est pas grave parce que l'équilibre, il se fait pas sur un repas, il se fait sur un jour, plusieurs jours. Et du coup, la perte de poids, ça t'a... Enfin, c'était pas quelque chose que tu recherchais, mais du coup, t'as pas cherché à le reprendre. Enfin, je veux dire. Ah non. Parce que pour moi, il était quand même en trop. Ouais. J'étais pas à l'aise dans mon corps. Après, chacun met le curseur encore là où il veut. Il y a le body positive et tout, il y a pas de souci. J'avais pas un poids élevé parce que j'étais dans la courbe IMC et tout ce qu'on veut. Il y a pas de souci, mais en termes de morphologie, de visuel, c'était pas beau. À mon goût. Et pourquoi t'en avais pris, toi, à la base? À la base, c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'avais une activité sportive en dehors de l'école. Quand j'étais ado. Même plus jeune, ça a commencé en primaire. Tu faisais à côté. Je faisais de la boule lyonnaise. Qu'est-ce que c'est? C'est de la pétanque, mais sportive. Ouais, je connais pas du tout. Je te jure, ça existe, super. Et mon papy faisait et fait toujours de la pétanque. Et du coup, pour le rendre fier, je voulais m'inscrire. J'ai été en équipe de France. Enfin voilà, j'ai eu quand même un bon niveau sportif qui faisait que j'avais une activité sportive. Et puis la vie fait que j'ai dû arrêter. Et j'ai repris le poids petit à petit. Ça s'est pas fait d'un coup, mais j'ai fini par reprendre le poids. Après, un corps, c'est fait pour évoluer. Enfin, oui. On n'est pas fait pour avoir toujours le même poids, surtout en tant que femme. Quand t'as des grossesses, enfin, il y a des moments de ta vie où tu fais du sport, il y a des moments de ta vie où t'en fais pas, et forcément ton poids il suit un peu ton activité. Et puis il faut pas oublier que j'étais quand même dans la phase adolescente. Ton corps varie, t'as la puberté, voilà. T'as les hormones, t'as... C'est là que se déclenche un peu les TCA aussi, parce qu'aussi il y a des parents, surtout des mères d'ailleurs, je veux pas accuser les mères, mais quand elles voient leur fille prendre du poids comme ça, elles vont leur faire une remarque et bam, c'est comme ça que tu tombes dedans. Alors ce gâteau, très bon. Il est mastoc. Ouais, j'ai du mal, mais. Et le chocolat chaud aussi, il est super bon et ça a le goût de noisette. Ça fait un peu pâte à tartiner, mais et puis bon, la tasse quand même. Franchement, j'ai adoré cette adresse. C'était super bon. Je reviendrai. Enfin, les deux dernières questions, c'est ton plat préféré, ton dessert préféré. Alors, plat préféré, c'est facile. Tout ce qui est à base de gnocchi. Moi aussi, j'adore. Passion gnocchi. J'adore. Mais avec du fromage, hein. Moi, du coup, sans fromage ou alors avec de la levure maltée par-dessus. Et dessert préféré, soit la tarte aux pommes, mais une tarte aux pommes très spéciale. J'aime pas toutes les recettes. Et sinon, un dessert que j'ai jamais mangé en version vegan, mais apparemment, c'est possible. Ça, c'est vraiment mon dessert doux. De mon enfance, c'est l'île flottante. Moi, j'adore le tiramisu. Est-ce que tu sais si ça existe en vegan? Ah oui, mais avec c'est du... très facile. Tu as vraiment un goût de mascarpone. Je le sens quand c'est du faux tiramisu qu'ils n'ont pas pris du mascarpone. Et la dernière question, c'est est-ce que tu as une citation ou un dicton ou une phrase que tu aimes bien en lien avec l'alimentation? Végétaliser et kiffer. C'est pas mal. Quelque chose de plus général, mais soyez curieux. N'ayez pas peur de ne pas manger de viande. Et surtout, d'arrêter de vouloir comparer à tout prix à ce qui existe déjà en version animale. Ouais. Parce que tout n'aura... Enfin, c'est impossible de trouver quelque chose qui a exactement la même texture, le même goût. À l'identique, ça sera quasiment impossible. Il y a des choses très bluffantes, mais... ça sera jamais à l'identique. Ouais. Donc, restez ouvert sur les légères différences qui font que c'est pas mauvais pour autant, c'est juste différent et ça permet d'apporter une alternative. Soyez curieux et ouvert d'esprit. Ouais. C'est pas mal. Une bonne phrase de fond.
C'était trop bon. Trop, trop bon. Merci Manon, j'ai adoré. Je t'en prie. Franchement, tu m'as fait découvrir une adresse incroyable. Je vous recommande d'aller au Café Contresort en 18e. Vous ne serez pas déçu du voyage. C'est super bon, l'accueil est excellent. On passe un très, très bon moment. Et puis, on ne s'est pas transformé en grenouille. Non, ni on se fait, malheureusement. On est ressorti indemne. Donc, a priori, vous risquez rien. Donc, voilà, vous risquez rien. Merci de l'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous aussi, vous voulez faire partie de mes invités comme Manon et venir partager un repas avec moi pour parler rapport à l'alimentation, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me contacter sur Instagram. Et Manon peut te retrouver également sur ton compte. Oui, sur Insta. C'est ça, arrogance végétale. Ouais, donc tu fais découvrir les bonnes adresses de resto vegan à Paris, mais aussi dans le sud. Oui, parce que je suis à Nice, donc quand je redescends dans le sud, je partage aussi mes découvertes. Voilà, vous pouvez aller suivre Manon. Et puis je vous dis donc à la prochaine. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Et vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut. Salut.